C'est dans cette station-service que la fusillade a éclaté hier soir, aux alentours de 20h30. Un tireur a visé deux personnes, semble-t-il dans une affaire de règlement de compte. Une vacancière qui circulait en scooter aurait reçu une balle perdue. Elle est décédée sur place. C'était là exactement où il y a la tache de sang, ici. La femme, elle était allongée sur le dos, la tête sur les genoux de l'homme en PLS. Et il fallait faire un massage cardiaque et tout, du coup on a fait les premiers secours. Le monsieur, il m'a dit « sauvez ma femme ». C'est tout ce qu'il m'a dit et voilà, ça m'a fait énormément de peine. Les deux autres victimes seraient connues des services de police. C'est des personnes, des adultes, des jeunes adultes et des adultes, qui étaient très défavorablement connus des services de police municipale d'Olioul, parce qu'ils nous créaient régulièrement des problèmes. Combien y avait-il de tireurs ? Quelles étaient les armes utilisées ? C'est ce que devra établir l'enquête.